Donc, salut à tous. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour parler de la Japanatsu. Alors, la Japanatsu, c'est par les mêmes organisateurs que la TGS, qui font aussi la MGS pour Montpellier Game Show, la Pau Game Show aussi. Là, ils ont fait à Toulouse le Japanatsu. Alors, Japanatsu, c'est un peu pareil que la TGS, mais plus axé sur la culture japonaise, mais c'est gratuit. Donc, c'est beaucoup plus petit. C'est au même endroit que la TGS Spring Break, mais ça prend qu'une salle, que la salle principale et quelques petites salles après. Donc je sais que j'irai voir des conférences déjà de Brigitte Lecordier, la voix de Son Goku dans Dragon Ball, et Arnaud Florent, c'est celle de Natsu dans l'animé de Fairy Tail. Puis après, il y a aussi Joris Boyer qui a fait le manga de Nubri Roll avec Fabien Fournier. Et il y a eu, ben, je verrai des cosplays, après des démonstrations de sabres japonais. Puis après, il y aura Jiber Joseph et Imaginaire, c'est des magasins de pop culture avec des livres, des pop et tout. Et j'ai vu qu'aussi il y a une bibliothèque où on pourra lire des mangas. Alors ça, c'est très intéressant parce que ben, je pourrais lire quelques-uns, ou alors par exemple si j'en connais pas, je pourrais commencer à lire un petit peu le début, au moins je saurais si j'aime ou pas. Donc c'est parti, je vais montrer un petit peu tout ce qu'il y avait et après je vais parler en disant qu'est-ce qu'il y avait, les conférences et tout. So back to what I was saying. Could be us. Say please. And I know they really wish we would ball till we fall on the big bad wolf. Is a full moon, y'all. Talk the money in the air. Watch how your dreams hit the floor. Wait till I get the buzz off this truck. Damn, girl, you way too fine for a local club. Killing someone's vibe should be a fucking crime. Wasting someone's time should be a. So back to where I was saying. This could be us, but you play. This could be us, but you play. Principale, il y avait ben, plein de choses parce que ben, déjà c'était presque la seule salle. Il y avait notamment des combats au sabre japonais et il y avait aussi un mec qui coupait plein de feuilles enroulées, même je crois qu'il coupait du bois aussi avec son sabre. Après, donc il y avait la bibliothèque de manga, donc j'ai commencé à lire Hunter x Hunter le numéro 1 pour savoir si c'était bien, même si je m'en doutais un petit peu, et My Hero Academia 6. Donc aussi, il y avait du One Punch Man, du Platinum End. Après, il y avait du Black Torch, Pokémon, du Bakuman et du Tokyo Ghoul. Après, il y avait aussi des Shoujo et des Seiju, mais je m'y connais pas là-dedans. Après, donc j'ai acheté de la nourriture japonaise pour voir, et c'était plutôt des trucs sucrés. Et donc en fait, il y avait j'ai acheté 5, c'était comme des sortes de pâtes de fruits, mais vraiment bizarre au toucher. C'est-à-dire, on aurait dit comme du slime, mais un peu plus bizarre. Parce que tu touchais, déjà la texture c'est un peu bizarre, c'est comme si tu touchais de la peau en fait, mais ça rentrait, puis ça se reformait. Et au goût, on aurait dit, c'était hyper pâteux, et c'était à plusieurs goûts, mais des goûts bizarres comme thé vert, patate douce,
noix de coco. Et ça dépend, certains sont dégueux par rapport à d'autres qui sont très bons. Et après, j'ai aussi acheté des chewing-gums orange et raisin. C'est des chewing-gums normaux, hein. Enfin, t'achètes des chewing-gums Hollywood, c'est pareil, hein. Donc après, il y avait des cosplays, mais là, il y en avait beaucoup moins. Il y avait surtout celui de Assassination Classroom et de Pédobert ou un truc comme ça, une nounours. Et il y en avait quelques-uns de manga. Il y avait celui. Il y avait un mec qui avait le masque de Tokyo Ghoul, enfin du. Oh, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui. Ben. Mi-humain, mi-ghoul. Il avait son masque là. Et après, il y avait quelques autres personnes déguisées en League of Legends ou WoW. Donc après, il y avait Gilbert Joseph et il y avait que des mangas. Parce que d'habitude, Gilbert Joseph, c'est pas que ça. T'as des films. Des comics, des BD et tout, mais là, vu que c'était la Japanatsu, c'est ben, plus dans l'univers japonais, c'est-à-dire des mangas et des animés. Donc, moi j'ai acheté Origins, je l'ai lu. Je trouve sincèrement que ça ressemble à Tokyo Ghoul parce que ben, il y a des robots, ils se fondent parmi les humains et ils les tuent. Alors que dans Tokyo Ghoul, c'est des personnes. Pareil, sauf qu'elles sont plus nombreuses et elles les bouffent. C'est pareil. Mais après, bon, peut-être que ça va être différent. Mais je sais qu'il y a deux tomes qui sont sortis. Mais bon, après, je vais voir. Mais en vrai, sinon, c'est pas mal si tu le lis individuellement. Et après, j'ai acheté les Boruto. Donc, c'était un pack où il y en avait un gratuit. Et j'ai bientôt fini de lire le 1. Et au début, en fait, j'ai demandé à des gens si je pouvais le lire. Sans avoir lu Naruto, parce que ça se passe après Naruto. Même si à la base je croyais que ça se passait avant, mais vu que je connais pas, je savais pas. Mais là, en fait, je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir lu les Naruto. Donc ça, en fait, c'est comme si c'était les Star Wars 4, 5 et 6. Et qu'avant, en fait, il s'est passé des choses. Donc ils savent déjà. Par exemple, on savait qu'avant, ben, il y avait Palpatine, mais avant, que comment il était devenu Dark Vador et tout. Et il l'expliquait pas forcément. Mais ben là, j'ai l'impression que c'est pareil. Que ben, on savait déjà ce qui se passait avant, mais on l'expliquait pas en détail. C'est comme si on allait y revenir après, comme dans Star Wars en fait. Et donc, ben, j'ai pas l'impression de me faire spoiler par rapport à avant. À part juste le rival de Naruto, ben, je le connaissais pas. Et donc en fait, c'est pas trop mal. Et donc aussi, j'ai vu des animés et des séries. Il y avait Dragon Ball, j'aurais voulu acheter Dragon Ball, sauf que c'était Dragon Ball Super. Et donc, ben, j'allais pas le regarder direct, du coup, ça servait un peu à rien. Sachant que j'ai déjà Dragon Ball, épisode 1 à 4, je crois que c'est ça. Et donc, il y avait aussi des films, et Ponyo sur la falaise, Le voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro, Le château ambulant, Princesse Mononoké, et plein de trucs comme ça. Puis après, il y avait Imaginaire. Donc je me suis dit, bah déjà ça faisait un moment que j'avais pas eu de pop. Et du coup je me suis dit, je vais en acheter une. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des... quelques trucs sur le Japon, enfin des, je sais qu'il y avait des petits jeux avec Totoro et des trucs, des jeux japonais aussi, des livres aussi qui parlaient de la culture japonaise et des mangas. Et donc il y avait du coup des pop japonaises et moi j'ai pris du coup Saitama. Il y avait aussi du Dragon Ball et après je ne me souviens plus très bien. Donc je vais l'ouvrir. Pour les autres pop que j'avais, c'est-à-dire Marvel, parce que du coup les autres que je n'ai pas Marvel, c'est ceux-là Woodbox. Et donc ceux-là Woodbox, j'ai gardé la boîte. Là, je compte bien faire mes pop en gardant les boîtes, même si je vais pas la mettre avec la boîte. Ça m'étonnerait. Putain, ça fait si longtemps que j'ai pas ouvert de pop. Donc Saitama il est comme ça. Je savais pas qu'il y avait des pop One Punch Man à la base. Et en fait ça montre comme dans le manga que il est donc habillé en super-héros. Mais en même temps il va faire ses courses. Et donc la pop elle est assez sympa. Donc après il y avait plein. Enfin plein, il n'y en avait que trois. Des gens assez connus. Donc déjà il y avait Joris Boyer. Qui a fait Noob Reroll avec Fabien Fournier de Noob. Donc il me l'a dédicacé.
Et en fait, il m'a demandé mon personnage principal de Nubri Roll parce que donc il n'y avait pas Omega Zell et tout. Du coup, j'ai dit Ivy. Et donc, il m'a fait ce dessin d'Ivy. Il l'a fait en 8 minutes. Au sens, je vais mettre un timelapse parce que je l'ai filmé pendant qu'il le faisait. Et elle est comme ça, il l'a super bien fait. Et donc il a marqué pour Yanis, donc le 9-9-2018. Et il a signé. Et il l'a super bien fait. Je sais que la personne avant moi, elle avait le 1 et le 2. Et il l'avait fait donc Zach Middle et une fille, mais je ne sais plus laquelle. S'il faut, c'est elle. D'ailleurs, je ne sais même plus son prénom. Mais donc voilà. Et donc après, je suis allée à sa conférence. Mais si, voilà, entre deux tomes, à la rigueur, là, entre le tome 2 et le nouveau que j'ai attaqué, ben, j'ai pu aller 5 semaines au Japon. Bon, mais tu travailles pendant 2 ans, c'est 2 ans de privation de travail, où tu t'investis à fond pour 5 semaines de récompense, voilà, tu drop the mic, comme on dit, et tu t'amuses un peu, tu t'éclates, quoi. Mais après, quand tu rentres, il faut t'y remettre, quoi, il faut t'y recoller. Là, c'est pas forcément évident, moi, j'ai autre chose en tête que me lever et faire mes pages. Mais il faut le faire, voilà, c'est la discipline encore. Donc non, aux vacances, une fois tous les 2 ans. C'est un peu fait. Et alors attends, t'en parler, donc il y a des vacances une fois tous les 2 ans, tu bosses 10 heures par jour, t'as pas de week-end, parfois tu es obligé d'aller à des repas de famille. Du coup, qu'est-ce qui fait que t'es mangaka dans tout ça? Qu'est-ce qui fait que tu t'éclates et que tu continues? La passion. Non, ben c'est... Ben je pense que moi, ce qui m'a aidé, ce qui m'a... permis de rester accroché et de faire mon truc correctement, c'est qu'avant j'ai travaillé, j'étais boucher charcutier. Voilà, donc je me levais à 3-4 heures du matin, je me faisais 30 minutes de voiture pour aller à l'Intermarché, je travaillais 7 heures dans la journée dans le froid avec des abats, enfin, bref, c'était pas la joie. Et d'ailleurs, la semaine où j'ai signé le contrat, j'étais en CDD dans une boucherie, donc eh ben, quand c'est comme ça, ben, tu saisis la chance que t'as. Et de pouvoir vivre à 23 ans comme moi de ce que tu aimes faire. Tu mets les petits plats dans les grands et tu te donnes à fond et la passion. Et puis mine de rien, on va pas se mentir, quand tu finis une page et que tu dis beaucoup, j'ai fait 60 euros, ben, tu as fait 60 euros et à la fin du mois, ben, tu peux payer ta électricité, tu peux te faire plaisir. Bon, si moi je ne paye pas grand chose, mais voilà, c'est voir ce que tu as eu avant, ce que tu as maintenant, et saisir les opportunités, donner à fond pour les concrétiser. Je sais pas combien d'années ça va durer, le manga c'est un milieu qui est incertain. On ne sait pas de quoi demain sera fait, surtout là avec ce qui se passe en ce moment au niveau des droits des auteurs et tout, c'est un bordel monstre. Ben là, si ça dure encore 2 ans, ben ça durera encore 2 ans. Si ça dure encore 10 ans, ça durera 10 ans. Mais pendant, voilà, pendant ce temps-là, je vais me donner à fond. Pas avoir de regrets derrière. Voilà. Au niveau de tes projets, donc là, à l'heure actuelle, tu travailles sur Nubri Roll. Est-ce que tu as d'autres projets en cours sur lesquels tu travailles, que tu as sous le coude, que tu commences, que tu vas faire après? Alors déjà là, voilà, là j'ai fini. Donc là, c'est le tome de Nubri Roll. C'est un arc conclusif, autosuffisant. Il y aura un tome 3, pas tout de suite, parce que là, du coup, avec Fabien, on a attaqué Neogicia, qui est un autre... notre licence issue de du transmédia, de nous, c'est voilà, c'est Fabien, il voit les choses en grand. Donc voilà, là, je suis sur un logiciel. Et après, évidemment, je ne me considère pas uniquement comme un dessinateur, j'ai aussi mes scénarios. Est-ce que c'est une bonne chose de léguer à l'humanité mes scénarios? Pas certain. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de raconter des trucs, tu vois. Il y a des thématiques que j'ai envie d'aborder, des personnages à qui j'ai envie de donner mouvement. Donc oui, j'ai des projets personnels. D'ailleurs, juste avant de signer Nubri Roll, j'étais en discussion avec des éditeurs qui me donnaient rendez-vous par-ci par-là à Japan Expo. Mais du coup, on m'a offert la possibilité d'avoir un projet là sur le court terme. Donc j'ai préféré un Tulora que deux Tulora. Un Tula que deux Tulora. C'est mieux. Mais oui, j'ai des projets personnels. J'essaye de ne pas trop y penser parce que ben, forcément, c'est des trucs que j'ai très envie de faire.
pas forcément comme un manga d'ailleurs. Mais si j'y pense, forcément ça va prendre le pas sur les licences de Guidry. Et c'est à moi d'essayer de rester focus sur les projets actuels, plutôt que de me perdre sur des projets qui ne sont pas d'actualité, qui sont peut-être pas mûrs d'ailleurs. Là, Nourirol, ça m'a permis de me faire la main. C'est mon premier bouquin. Si j'avais sorti mon projet personnel avec le résultat du Nourirol 1, qui est un premier bouquin d'auteur, de jeune auteur, donc forcément il a tous ses défauts, je pense que je serais un peu vert maintenant. Mais ça viendra, je me dis que j'ai encore le temps, je suis jeune, donc ça viendra un jour, clairement. J'ai déjà prévenu Fabien, hein, j'en ai parlé avec lui, j'ai dit un jour il faudra que je leur accorde du temps à mes projets personnels, parce que sinon ça va me bouffer. Parce que ben, comme beaucoup d'auteurs, j'ai 36 000 idées à la seconde, et dans une vie on ne peut pas toutes les concrétiser. Donc, voilà. Pour l'instant c'est Nourirol et Neogicia, et puis après d'ici quelques années, je verrai ce que je ferai d'autre. Voilà. Je ne sais pas encore de quoi venir s'en faire. Au niveau de ta technique de travail, donc tu nous as dit rapidement que tu travaillais sur ordinateur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles, avec quel logiciel, quel matériel, toutes ces choses-là? Alors, je travaille sur digital du coup. Alors, j'ai appris à dessiner en traditionnel, hein, c'est important. Je vois beaucoup de jeunes qui achètent des Cintiq à 3000 euros alors qu'ils ne savent pas encore dessiner en traditionnel. Ne faites pas ça. Du coup, voilà, je travaille sur une Intuos. J'ai pas de Cintiq, j'ai pas de machin de fou. Une Intuos Pro, ça coûte bien les 300, 400 euros, je pense. C'est souvent en promotion, donc ça se trouve. Et donc voilà, Intuos Pro M. Au niveau des logiciels, pour tout ce qui est des pages, tout ça, j'utilise un vieux logiciel qui s'appelle Manga Studio X4, qui est un ancêtre de Clip Studio Paint, que peut-être certaines personnes connaissent, mais que je préfère à Clip Studio Paint, car j'y suis plus habitué, c'est tout. Surtout, bon, je l'ai téléchargé tout à fait légalement. Pour ce qui est des... Ne faites pas ça chez vous, évidemment, ce sont faits par des professionnels. Au niveau des illustrations, je travaille sur Pentoolsight, qui est également un vieux logiciel de colorisation qui marche très très bien toujours. Avec un petit peu de Photoshop derrière pour tout ce qui est post-processing, certains effets de post-prod, voilà, des incrustations, des FX. Mais voilà, du manga studio surtout pour les pages. Après, c'est pas le logiciel qui fait le dessin, c'est pas l'outil, c'est pas la tablette qui va faire de vous un bon dessineur ou pas. C'est la technique que vous avez, l'expérience, l'aisance. Je vois beaucoup de gens qui dessinent très bien en traditionnel et qui, lorsqu'ils arrivent sur une Cintiq, ils sont perdus parce que ça prend du temps, ça fait oiseau. Donc vous voyez, c'est pas indispensable le digital aujourd'hui, il y en a qui arrivent très bien en traditionnel, donc si votre délire c'est le traditionnel d'aller acheter des trames et de les coller sur vos pages, faites-le. C'est pas un impératif aujourd'hui le digital. Bon, quand même pour le lettrage, les trames c'est quand même mieux, mais si vous entrez en traditionnel, c'est très bien aussi. Donc après il y avait aussi Brigitte Lecordier qui fait sa voix de Son Goku dans Dragon Ball, et de Arnaud Florent qui fait la voix de Natsu dans Fairy Tail. Et les gens, ils étaient hyper... Enfin, moi, j'attendais pour Joris, et à côté, il y avait la queue pour Brigitte Lecordier, et derrière, la queue pour Arnaud Florent. Quand Brigitte arrive, il commence à gueuler, mais ça va. Puis après, t'as Arnaud Florent, il arrive, mais là, tout le monde a gueulé, même là, la queue de Brigitte. Moi, j'étais seul, dans la queue de Joris. Tout le monde a gueulé. Et donc, en fait, j'ai filmé la conférence de Brigitte Lecordier, Arnaud Florent. Et à un moment, je sais que ils refont les voix des animés. Donc, cette vidéo est terminée. C'était assez différent de ce que je faisais d'habitude pour la TGS et tout. Parce que là, vu qu'il n'y avait pas trop grand-chose, je préférais expliquer ce qu'il y avait. Et à mon avis, je ferai ça à l'avenir. Et donc, pour parler de conférences, la prochaine, c'est la Comic-Con Paris 2018. Enfin, j'y vais deux jours. Je sais qu'il y a plein de monde. Il y a deux
personne de Harry Potter. Il y a le père de Harry Potter et un gars de Serpentard, fait un pote de Malfoy. Puis après, il y a Colossus de Deadpool que je vais aller voir. Il y a quelqu'un de Star Wars. Mais après, je ne sais plus. Déjà, après, dans les youtubeurs, il y a Noob. Enfin, il y en a quelques-uns, dont certains que j'ai jamais vus. Et après, il y a Siphano, Frigiel, Alcor, le Comité des Comics, Marvel. Et donc, après la Comic Con. Et donc, aussi à la Comic Con, ça sera bien parce qu'il y aura des exclus, par exemple des bandes-annonces ou des exclus d'acteurs qui parleront. Et après ça, il y aura la TGS 2018 que je filmerai aussi. Et voilà, c'est tout. Et donc, voilà, c'est tout. Donc, cette vidéo est terminée. On se retrouvera normalement. Cette vidéo est la dernière de, on pourrait dire, une saison. Parce qu'après, du coup, il y a une vidéo spéciale. J'en parle pas. C'est une surprise. Et bah, du coup, au revoir. Ouais, ça tue quoi.